Ah, le montage des fondations, le montage de Longrine, le 10-10, les 8, le bas, la dalle, le haut, le mur. Espacement entre les U 24-8. Là c'est 10-10 qui sont fait monter. Là c'est U. Les écarteurs de nappe. Là c'est les épingles pour le chaînage, pour la dalle, double nappe, le bas, le haut, et là-bas au fond, vous voyez les ferrailles de l'huile. Je vais ajouter un peu, je comprends pas les dimensions. Je suis en train de monter une longueur, déjà coupée. Voilà, j'en mets un dans ce sens et un dans ce sens. Voilà, et je vais les attacher là, c'est vite. Un en bas, un en haut. On va passer la pointe de fond, vous voyez j'ai fait le passage pour le tuyau entre les ferrailles, en coupant le moins possible de ferraille, la pointe de fond qui a été montée avec du téflon, une bonne couche de téflon. Maintenant je vais passer un coup de colle de verre, du décapant et de la colle spéciale toujours flexible, flexible et rigide. Elle va se trouver là, elle va se trouver au point bas de la piscine, de la dalle de la piscine. Et le point de niveau, point de niveau, vous voyez une zone là, c'est moins jaune, orange, avec une pente vers la bande de fond. Le fond est plat, alors on va faire une pente pour que la piscine se vide bien. Voilà la pose des écarteurs de nappe. Vous voyez les deux barres fines en triangle. On les met sous les U pour les tenir écartées. La nappe après ira dessus. On la met tout le long. Vous pouvez aussi la voir après. Vous voyez, on a tout le long dessous, tout autour. Il y en a un. Vous pouvez en mettre à peu près. Ça traverse d'un côté à l'autre. Et la nappe ira se poser dessus. Attaché, ça permet que les deux nappes soient bien écartées pour pouvoir y marcher dessus. Deuxième nappe posée sur les écarteurs que vous voyez là-bas dedans. Une règle d'écarteur tout long, des U, pour le maintenir bien droit, bien haut. Voilà, la deuxième nappe est posée.
Qu'est-ce que vous attendez là? Ça va très bien.